Julie Alix, merci. Merci de nous recevoir donc, au Postmoderne. On va peut-être commencer en revenant, en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre formation, comment vous êtes devenu coloriste? Dans mon cas, en fait, moi j'ai étudié en cinéma à l'UQAM. J'ai terminé un baccalauréat en cinéma, en fait, en 2006. J'ai commencé par faire un petit peu de direction photo, puis plein de travail sur les plateaux, finalement, un peu toutes les, c'est ça, plein, tu sais, comme grip, électro, un peu même du assistant de production, des trucs comme ça, juste travailler sur les plateaux, en essayant de faire un petit peu de direction photo au travers de tout ça, pour finalement m'intéresser, donc, pendant ma formation en cinéma, la colorisation, c'est quelque chose qu'on a à peine touché du bout des doigts. Là. Ça nous a été mentionné sans plus comme une étape qui était peut-être possible, ou en tout cas qu'on pouvait essayer d'ajuster un peu nos images dans la vide une fois qu'on a fini nos films. Mais c'était, je pense qu'il y avait comme quelques heures de consacrer à ça dans tout le processus. Fait que c'est quelque chose de relativement obscur à ce moment-là, en 2006, quand j'ai fini à l'université. C'est après ça, en travaillant avec les nouvelles caméras, les nouveaux formats, la colorisation a commencé à être un petit peu plus... C'est quelque chose qui commence à apparaître un petit peu plus dans les workflows. Puis certains logiciels se sont démocratisés ou étaient juste moins chers. Il y a Color qui est apparu, qui était lié avec Final Cut, qui est un logiciel pas très performant. C'était assez difficile de travailler là-dedans. Mais on a commencé quand même à essayer de manipuler nos images là-dedans, essayer d'améliorer tout ce qu'on faisait, d'amener un petit peu plus loin. Fait que je me suis beaucoup intéressé au processus, ça me butait à beaucoup de frustration là, dans les limites du logiciel. Par la suite, c'est DaVinci qui a été racheté par Blackmagic. Fait que ça, c'est un peu le gros logiciel présentement qui est utilisé par beaucoup de monde, qui est abordable, qui demande juste pas mal de matériel en arrière pour le faire fonctionner. Ça prend un gros ordinateur, ça prend des bonnes cartes graphiques, ça prend du monitoring, ça prend une salle adaptée, ça prend quelqu'un pour l'opérer. Mais au final, c'est un logiciel qui est super abordable. T'sais. Si on compare à plein d'autres logiciels là, comme Baselight, Nucoda, un paquet de Quantel, etc., qui sont des logiciels, des clés en main à des fois près de 100 000 ou même jusqu'à 200-300 000 Fait que ça devient vraiment assez des gros investissements pour des entreprises. Fait que donc, bref, moi, le DaVinci est arrivé, j'ai décidé de me lancer plus là-dedans. Le logiciel était beaucoup plus performant. Puis, à processer mes images à moi, j'ai développé un intérêt marqué. Puis, tranquillement, j'ai fait le. Donc, j'ai été un peu autodidacte là-dedans, avec des tutoriels sur Internet. Travailler tout simplement, travailler sur mes images, aider des amis. à travailler sur leur film. Fait que c'est vraiment en travaillant dedans que j'ai développé tout ça. Puis après ça, en se faisant des contacts aussi qui font un peu la même chose, puis on échange, Charles entre autres, on échange sur nos façons de travailler, puis comment l'amener plus loin, etc. Parce qu'il y avait de toute façon assez peu de formation, ou pas du tout en fait, liée à ça dans les universités, dans les cégeps, ou même dans les places spécialisées, là, comme le NAD, les trucs de jeux vidéo, en tout cas, toutes ces places-là de traitement de l'image ou liées au cinéma, rien à propos de la colorisation. Je pense que, donc, j'ai eu à être autodidacte. Puis, je pense qu'on est rendu à un moment peut-être où, justement, ça devrait être un peu plus approché. Pas nécessairement pour faire le travail, mais pour que les gens comprennent mieux ce processus-là puis qu'ils puissent en chercher le maximum, finalement, tirer le maximum. Alors, du coup, donc formation tout seul. Par rapport, ouais. En fait, tu es devenu en fait, ton propre coloriste en tant que chef-op. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est un peu comme ça que ça a commencé, oui. Et à ce moment-là, en fait, quand tu as... quel était en fait, le déclic en fait, pour devenir seulement coloriste et puis pour abandonner aussi du coup, la direction de photo? Parce que c'était ça aussi, en fait. Oui. Ben, en fait, j'ai trouvé que c'était un... Premièrement, j'ai trouvé du plaisir, quand même pas mal de plaisir. J'étais curieux des outils, je trouvais que le potentiel était grand. On se le cachera pas, à ce moment-là, il y a eu probablement un petit pourcentage de ça qui était, à la base, là, un peu stratégique, dans le sens que je voyais bien que de plus en plus, on allait avoir à traiter l'image, puis il allait avoir une demande de plus en plus pour ça. Fait que,
on combine ces éléments-là. Bon, moi, j'ai un intérêt marqué pour ça. Je sens que le marché va se développer. Je trouvais que stratégiquement, pour une carrière, ça, c'était quelque chose qui se plaçait bien. Fait que c'est pour ça que je me suis investi là-dedans beaucoup. À ce moment-là, j'ai continué d'aimer ça, fait que je suis resté là-dedans. Tu sais. Si je n'avais pas aimé ça, je serais peut-être retourné à mes premiers amours. Mais voilà, fait que c'est peut-être ces éléments-là ensemble. Les possibilités de travailler pas mal, puis de faire quelque chose qui est le fun, qui est agréable, qui est intéressant. Puis aussi, c'est sûr que il y a quelque chose aussi dans le traitement de l'image comme ça, où on a tout le... Ça va être drôlement dit, mais on a un peu tout le pouvoir, là, dans le sens, c'est là, puis on peut faire ce qu'on veut avec jusqu'à un certain point. On dépend pas de personne d'autre, t'sais. On a reçu des images, on dépend des images qu'on a reçues, évidemment. C'est difficile de rendre quelque chose de terriblement mal tourné, magnifique, là. Puis c'est difficile de, entre guillemets, de détruire quelque chose de vraiment beau. Mais au final, on a quelque chose, puis on fait, c'est nous qui on travaille là-dessus, puis on a tous les outils pour travailler là-dessus. On dépend pas de personne d'autre. Il y a quelque chose de bien, d'agréable là-dedans, qui me plaisait particulièrement, je pense. C'est le fun, c'est pas que j'aime pas le travail d'équipe, mais il y a quelque chose de... On compte sur nous, puis on n'est jamais si bien servi par soi-même. Fait que, voilà, j'aimais bien ce petit bout-là. Est-ce que, donc, du coup, tu as commencé comme pigiste ou tout de suite tu as... Ouais, en fait, j'ai commencé comme pigiste. Premièrement, j'ai commencé à faire affaire avec des compagnies pour qui j'avais travaillé dans le passé, plus en tournage, en offrant mes services gratuitement, en fait. C'est-à-dire, bon, je suis pas encore... super, tu sais, bon, je travaille sur mes skills, mes habiletés en ce moment. Fait que, tu sais, je serais prêt à faire un projet de vidéoclip gratuitement, prendre le temps de le faire, etc. Fait que je me suis promené d'une compagnie à l'autre comme ça pour commencer. Ça a été des succès. Fait que, après ça, on m'a réengagé. Puis là, j'ai commencé à faire ça à la pige. Personnellement, je sais qu'il y a du monde qui sont assez confortables dans la pige pour la colorisation, puis se promener d'une boîte à l'autre. Dans mon cas, j'ai vite trouver un confort dans la possibilité d'aller dans une boîte puis être là tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut contrôler, ne serait-ce que la calibration des moniteurs, les environnements, la continuité des projets, être là pour suivre c'est quoi la prochaine étape, tu sais, puis pouvoir les ramasser plus tôt aussi les projets, puis avoir comme un contrôle sur tout l'environnement puis les workflows. C'est ça, j'ai vite trouvé qu'une place permanente en quelque part pour être plus payante, si on veut. Fait que moi, je travaillais pour Postmoderne à la pige. J'aimais beaucoup les gens ici. Alex Domingue, notre patron qui a parti l'entreprise, comme on jasait tantôt, il y a plusieurs années. On avait une bonne communauté d'esprit. C'était super sympathique comme endroit. Une belle philosophie par rapport au cinéma. On a toujours aidé le cinéma d'auteur, des jeunes artistes d'ici. Il y a une implication dans le cinéma. C'est pas juste une business là, où on essaye d'aller chercher le contrat le plus payant. C'est ça. Fait que j'avais beaucoup l'éthique d'entreprise, la dynamique dans l'entreprise. Fait que on m'a offert un travail ici après plusieurs piges. Puis j'ai vite accepté. Puis je me suis engagé ici. Ça fait un petit peu plus que 5 ans. D'accord. Que je travaille ici. J'ai fait avant ça probablement pas plus que 2 ans à la pige. Puis à ce moment-là, bon, je faisais encore un peu d'autres contrats. Fait que 2 ans à la pige, 5 ans que je suis ici à temps plein. Ouais. Donc là, depuis 2011. Et avant, en fait, ça fait 2 années entre 2009 et 2011. Je faisais la transition, d'accord. Dont une année où c'était pratiquement juste la colorisation. Alors, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Tu disais le fait de pouvoir ramasser en fait, les projets plus tôt. C'est quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé. Est-ce que, effectivement, le fait d'être à l'intérieur d'une société, effectivement, ça favorise, du coup, l'implication en pré-production? Oui, je pense que oui. En fait, évidemment, les productions vont venir pour leur data wrangling, tu sais, dès le début, vont déjà préparer tout le processus d'avance. Fait que la colorisation, à ce moment-là, on trouve le temps de la discuter. Tandis que quand les gens vont commencer une prod, faire un film, tout ça, puis le coloriste, c'est juste quelque chose qu'on... on est rendu là, faut prendre un coloriste, c'est quelque chose qui arrive plus souvent. Fait qu'on va dire la structure de prod connectée à une entreprise, à une boîte comme nous, ça favorise pas mal, je pense,
cette continuité-là, puis de s'investir plus tôt dans le processus. Je pense que c'est un facteur quand même. C'est sûr qu'à la pige, on peut aussi essayer de s'impliquer, mais là, on les voit passer. Fait tu sais, des fois, on les accroche au vol. Tu sais, pour les gens qui ont peut-être un peu moins ce réflexe-là, de tout de suite voir les possibilités, parce que il y a encore un certain... Il y a une zone qui n'est pas si connue en ce moment. Tu sais, je pense que si on prend aux États-Unis ce processus-là dans des productions pas mal plus lourdes, avec beaucoup plus de budget, tu sais, notre réalité de marché, nous, on fait des films... oui, on a fait des films tu sais, qui ont été produits aux États-Unis, on a fait des trucs qui ont été produits en Inde, dans d'autres provinces du Canada, mais tu sais, on est 90% de notre champ d'action, c'est des films québécois. Tu sais. Fait que c'est assez différent aux États-Unis ou les films hollywoodiens où déjà ces rouages-là sont vraiment présents, puis c'est presque systématique que les gens vont travailler dès le début avec les coloristes puis avec tout le système. Ici, c'est un peu nouveau. Il y a pas mal de monde qui n'ont jamais eu cette occasion-là. Fait que, tu sais, on aime ça pouvoir le proposer, tu sais, puis pouvoir dire, écoute, on a, tu sais, certains workflows, des façons de travailler sur le set, on a développé des façons de travailler avec certaines caméras pour améliorer le rendu pour le produit final. Fait que d'être capable de, sans nécessairement les vendre, c'est plutôt juste de les proposer, puis que les gens, ah oui, ok, vous pouvez faire ça, on a l'occasion de le faire. Puis, éventuellement. Alors justement, ça c'était quelque chose qui était beaucoup ressorti dans les discussions que j'avais eues avec des étalonneurs en France, enfin des coloristes, et assez peu avec les gens qu'on a vus là depuis qu'on est au Québec. C'est justement la question effectivement de s'adapter à telle ou telle caméra, et aussi du coup la question de comment on se forme aux nouvelles caméras qui arrivent, etc. Mm-hmm. Et il y avait effectivement beaucoup de coloristes en France qui m'avaient dit « je préfère faire partie d'une société, parce que c'est un des enjeux de mon travail, me former notamment... » à la nouvelle machin, à la nouvelle Sony, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux lier aussi à le fait d'appartenir à une société? Je pense qu'on fait nos devoirs de toute façon, dans le sens qu'à chaque fois qu'on a des projets qui arrivent, à chaque fois qu'il y a des nouvelles caméras qui sortent, on se tient au courant, on regarde qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi le codec, c'est quoi les formats, est-ce que ça va être en log, est-ce qu'il y a du RAW, puis... On suit ça. On fait déjà nos devoirs pas mal. Mais je pense que oui, de faire partie d'une entreprise, d'une société, c'est le fait d'avoir des caméras en location ici. C'est sûr que ça fait qu'on se fait nourrir par nos gens de caméra qui sont dans l'autre local, qui ont quand même une belle gamme de caméras, qui regardent beaucoup ce qui arrive comme nouveau matériel. Ils vont aussi nous nourrir pas mal, puis nous donner de l'information sans qu'on ait à aller la chercher. Fait que je pense que oui, ça peut nous apporter pas mal. Non seulement ça, mais aussi la disponibilité des dites caméras. On peut carrément aller les tester, puis regarder un peu comment ça réagit. Fait qu'il y a des moments où on est plus occupé quand même, mais quand on a du temps, on essaie, quand il y a des nouvelles caméras, des fois les compagnies vont nous les donner en test, vont les donner au local caméra en test. On va aller voir, on va tester, on va prendre des chartes, on va se faire des shots de test, on ramène ça ici, on s'amuse avec ça un peu, puis fait que ouais... tout ça ensemble, certainement que ça donne un peu plus de potentiel de ce côté-là. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Et donc, on a vu qu'il y avait une autre salle d'étalonnage, qu'on a visité un peu les locaux tout à l'heure. Est-ce que vous avez, entre Charles Boileau et toi, est-ce que vous avez des salles un petit peu de prédilection, des endroits où... Non, en fait, nous, on partage les deux salles... selon les contrats, selon les relations qu'on a développées, puis selon les disponibilités. Fait que la question des salles, c'est vraiment plus une question d'être dans la salle adaptée au projet. Tout ce qui va être télé, web, ça va se faire ici en bas, simplement parce que c'est dans le bon color space, on travaille dans un environnement qui est plus semblable à l'environnement de diffusion. Fait qu'on fait de la télé dans la salle télé. En haut, c'est la salle de projection pour tout ce qui s'en va en salle. Fait que c'est vraiment ça qui détermine si on va en haut ou en bas. Et puis, dans la salle télé ou dans la salle de projection. Puis sinon, les deux, on n'a pas une spécialité. Les deux, on fait de la télé, on fait du cinéma. Ici, on fait quand même beaucoup de cinéma. Mais au final, là, les deux salles sont à peu près tout le temps occupées, puis on échange. C'est drôle au fil des années, parce que tu sais, ce qui va faire en sorte qu'on est à une place ou une autre. Tu sais, moi, il y a des gens avec qui je travaille depuis des années. Tu sais, on a fait plusieurs films ensemble. Fait que quand ils reviennent, on travaille ensemble. Fait que si ils font un film, ils sont en haut. S'ils font une série télé, ils sont en bas. Ben moi, je les suis.
Puis c'est drôle, ça, au final, je pense que si on regardait, comment ça se distribue, d'après moi, on passe à peu près à la même. Dans une année, là, je serais prêt à prendre le pari qu'on passe à peu près le même temps en haut, en bas, les deux. D'accord. Ça serait mon estimation, il faudrait voir. Est-ce qu'elles sont équipées avec les mêmes outils? En fait, les surfaces de travail sont semblables. Ici en bas, on a une Tangent Wave, qui est une petite surface vraiment sans prétention. Moi, j'ai commencé avec ça, j'ai pris beaucoup de rapidité là-dessus. Une console très simple avec les outils de base, plusieurs pages, ça travaille assez vite. Fait qu'ici, c'est la Wave. En haut, c'est une Tangent Element, un petit peu plus large. Le feeling sur les... La sensation sur les boules et les roulettes est un petit peu plus soft, c'est un petit peu plus lourd. Il y a un confort un peu, mais au final, on se plaît sur les deux. Fait qu'il y a ça comme différence. Évidemment, le monitoring en bas, c'est un monitoring en image backlit, là, à lumière en arrière, sur un panneau LCD, fait qui est adapté à la télé vraiment, tandis qu'en haut, on est en projection, donc en lumière réfléchie sur un écran. Sinon, donc l'équipement est assez semblable. On a à peu près les mêmes machines pour tout le processing en haut et en bas. Les displays, tout ça, ça se ressemble beaucoup. Fait que le monitoring, évidemment, est pas mal différent. Puis sinon, ben, après ça, c'est vraiment juste l'ambiance lumineuse. Ici, on se garde un petit fond de lumière balancé, un petit peu de backlight en arrière de l'écran. C'est surtout pour les yeux, pour que ça soit un peu moins difficile. Là, de, à un moment donné, ça devient douloureux. Puis en haut, ben, c'est presque complètement noir, avec une peinture qui réfléchit, avec un très très faible coefficient de réflexion, pour avoir une salle vraiment vraiment noire. C'est les grosses différences entre les deux salles. Et en combien de temps on peut rester comme ça dans une salle noire sans avoir les yeux fatigués? Ben, c'est important de prendre des pauses en général. C'est sûr, moi personnellement, je trouve qu'un 8 heures de travail de colo, c'est standard, tu sais, avec une petite pause de matin, une petite pause d'après-midi, juste le temps de sortir, se rafraîchir les yeux un peu, prendre une pause de midi, tu sais, aussi. Il faut s'arrêter une fois de temps en temps parce que, tu sais, les yeux s'adaptent à l'image. Fait qu'à un moment donné, tu sais, le cerveau peut nous jouer des tours quand même pas mal, là. On vient qu'à transformer l'image pour la rendre normale, tu sais. Un exemple bien concret de ça, c'est, tu sais, on va dire... j'ai du blanc dans une image, ce blanc-là est sur papier ou dans les scopes vraiment assez vert. Si je regarde un film où les blancs sont verts tout le temps, éventuellement, ça va devenir mon blanc de référence. Mon cerveau va le processer comme ça, puis je vais voir du blanc. Fait que ça, ce que ça peut faire, c'est quand on continue longtemps à travailler sur un projet, on réchauffe l'image. Ah, belle fin de journée, on réchauffe. Éventuellement, c'est jaune, c'est orangé, c'est ultra saturé. Ça nous semble correct, tu sais, pas trop grossier. On sort de la salle, on vient 15 minutes après, puis fait comme, qu'est-ce qu'on a fait, tu sais. Fait qu'il faut, on peut travailler un peu plus longtemps dans une journée, mais c'est important de prendre des pauses. Puis je pense pas, moi, que travailler en haut de 12 heures là, dans une journée, là, je pense que c'est vraiment, faut aller se coucher, faut revenir le lendemain. Le recul est super important, autant à court terme, là, prendre le petit 15 minutes, le petit 10 minutes, que carrément dormir là-dessus, ou juste, même des fois, carrément revenir une semaine plus tard. Le recul, c'est vraiment quelque chose de super important. Puis sinon, ben, la fatigue en général, c'est ça. Je pense que c'est important aussi d'avoir que les outils soient placés de façon à au moins amenuiser le plus possible ce que ça peut faire comme effet secondaire. Parce qu'on s'entend que c'est important d'avoir de la lumière en arrière de l'écran, tu sais, que ce ne soit pas juste une source qui se pointe dans nos yeux. Mais ça va. Moi, ça fait plusieurs années que je fais ça. Jusqu'ici, tout va bien. Des fois, j'ai un petit peu mal aux yeux. Là. Deux fois par année, là, c'est un petit peu plus rough. Et est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu justement comment ça fonctionne? Et puis, si on y va, la base, là, dans le fond, en colorisation, on travaille toujours sur trois sections de l'image découpées par le niveau de luminosité. Il y a les basses lumières. Il appelle ça le lift. Ça va être... toute la zone, c'est comme si l'image était divisée en trois. Donc, on a les basses lumières, on a les mid, les lumières moyennes, puis les hautes lumières. Dans ces sections de l'image-là, de lumière, on peut corriger le piqué, comment on va écraser notre image. Je n'agis pas sur mon image, on va peut-être juste enlever ça.
Donc, en général, ça serait ça, tu sais. Donc, je peux modifier la couleur avec mes cercles chromatiques, puis aller porter certaines couleurs dans certaines zones de l'image. Fait que dans les highlights, aller porter, on va dire, du bleu. C'est comme, je touche plus au highlight. C'est vraiment la base de la colorisation. Maintenant, la façon qu'on travaille dans DaVinci, nous, c'est qu'on va... on va se mettre une base, ça se travaille en node. On s'est fait des bases au fil des années qui nous donnent déjà une arborescence qui va nous permettre de travailler. Là. Peut-être, je ne rentrerai peut-être pas dans le détail là-dedans, mais c'est ça, c'est juste d'avoir vraiment une base de travail. C'est comme un canevas, dans le fond, avec lequel on travaille toujours, qui comprend plusieurs nodes. Dans chacune de ces nodes-là, on peut faire des modifications. Pour beaucoup de formats de caméra, aujourd'hui, on applique des LUT, des lookup tables, qui sont largement là, des matrices de couleurs et de contraste. C'est une courbe, puis des ajustements de couleurs. Dans ce cas-là, je pense que c'est de la Alexa. Je pourrais y aller, on va dire, d'une LUT. Ça dépend des logiciels encore, mais on ne va pas trop s'égarer non plus là-dessus. Mais si j'applique une base standard offerte par le fournisseur, ça me donne ça. Ça, c'est probablement ce qu'ils ont vu à la caméra pendant qu'ils travaillaient. Ils étaient capables de voir cette image-là exactement. Je pourrais... L'étalonnage. C'est ça. C'est une image de référence. C'est eux, ils tournent, ils peuvent voir le log, qui est l'image technique qui me donne le maximum de latitude, ou ils peuvent voir le Rec 709, qui est dans le fond l'expression très linéaire de, ou en tout cas très simple d'un Rec 709. Donc, d'un range plus large de l'image. Fait que ça leur donne une meilleure indication de l'exposition. T'sais. Bon, il n'a pas fait brûler son ciel, on est juste sur la limite, les noirs sont beaux. C'est une courbe standard qui a été déterminée par Harry. Je pourrais partir de quelque chose d'autre, c'est souvent ça qu'on fait. T'sais, on va partir de... Nous, on construit des luttes, il y a des fournisseurs qui en produisent aussi, des émulations de films. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut utiliser. Je pourrais partir de vraiment... Tu sais, souvent, en début de projet, je vais essayer plusieurs bases puis voir qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour travailler. En fait, tu sais, les options sont, ma foi, très nombreuses. Je pourrais partir de quelque chose de vraiment différent comme ça, avec un petit peu plus sale, avec un petit peu de bleu dans les noirs, etc. Puis à partir de là, mais je vais modifier... Donc, je vais ramener mes noirs, m'assurer que les noirs ne sont pas trop... pas trop écrasé, que je ne perds pas d'informations dans les noirs, mais je vais vouloir avoir un peu plus de texture dans le skin tone, conserver des blancs un peu plus bright, un peu plus lumineux. On parle beaucoup en anglais en post-production. Il y a un peu de saturation. Et puis, c'est ça. Donc, les outils, c'est beaucoup... Ça, c'est des outils primaires qu'ils appellent. Donc, où je vais travailler avec mes trois niveaux de lumière, faire des modifications, je vais réchauffer l'image un peu... Je veux désaturer un peu. Toutes sortes de choses vraiment de base comme ça, les ajustements généraux. Après ça, on tombe dans les ajustements secondaires, qu'ils appellent. Ça se résume vraiment à des isolations, que ce soit des isolations physiques, là. On va dire une vignette que je voudrais placer. Exemple, je trouve que derrière lui, juste ici, ça c'est un petit peu trop lumineux, je trouve que ça attire un peu trop d'attention. Évidemment, je fais des choses un peu rapides, mais bon, je vais diminuer un petit peu la lumière ici. Puis peut-être aller chercher un petit peu plus de lumière sur son visage, tu sais. Je voudrais l'isoler physiquement. Ça, c'est quand les images bougent un petit peu moins. Je peux juste aller chercher comme ça. Je peux utiliser des trackers pour le suivre dans son mouvement. Oups, my bad. Beaucoup près cette partie. Si j'ai besoin de le suivre, je vais avoir un tracker 3D qui va le suivre dans ses mouvements. Si ça, c'est moins une option, il existe aussi plein d'autres façons de travailler, dont les keys. Avec un key, je vais être capable d'aller isoler, on va dire,
juste la peau. Là, je peaufinerai un key pour aller chercher juste sa peau. Ils sont un peu rapidement, évidemment. Il va tout en finesse habituellement. Ouais. Puis... c'est une autre façon d'isoler l'image. Je voudrais, on va dire, juste réchauffer son skin tone à lui, sans toucher rien à côté, augmenter un petit peu sa luminosité, des trucs comme ça. Puis on peut combiner évidemment tous ces outils-là. Fait que ça va être des isolations de couleurs. Je pourrais littéralement changer sa chemise, puis faire qu'elle soit carottée bleue. Mmh. Tu sais, des trucs comme ça, des trucs un peu plus radicaux. Justement, en pub, souvent, ça va être des trucs pointus comme ça. Genre, on vend du savon, on avait pas toute la gamme, on avait notre emballage vert, notre emballage bleu, mais on a oublié l'emballage jaune. Puis on veut pas retourner, mais on peut faire juste prendre un des savons puis le changer en jaune. C'est des trucs comme ça super précis. Puis voilà, mais généralement dans le cas du cinéma ou de la télé, quand c'est sur un travail un peu moins technique, ça va vraiment être plus une question d'ambiance, d'aller segmenter l'image, redécouper la lumière un peu, avec soit des vignettes ou des keys. T'sais, des fois, c'est juste pour simuler certaines vieilles lentilles, donner un feeling plus cinématographique. On va sauver aussi des fois des choses qui sont assez longues à faire en tournage, assez difficiles. T'sais. Les tournages sont assez rapides de nos jours, tout accélère. Je pense que les DOP sont bien très conscients, surtout à force de travailler avec les coloristes, de qu'est-ce qui est vraiment rapide à faire en post-prod. J'ai une shot, j'aimerais vraiment ça que ça soit plus sombre dans le background, mais pour le faire, ça va me prendre un flag de 8 pieds par 8 pieds, monté sur deux espèces de gros trépieds. J'ai besoin de deux gars pour aller faire ça. En post-production, le coloriste va me mettre une vignette, va assombrir un peu ça va faire le même boulot, ça va prendre 7 secondes. Ouais. Fait que des fois, on va prendre un certain confort là-dedans. Fait que ouais, c'est ça. Donc largement, les outils physiques, des vignettes pour créer des ambiances générales, des keys pour aller faire des modifications plus précises. Il y a aussi des outils de texture pour aller rajouter un peu de définition sur certains trucs ou aller rajouter un peu de flou. C'est les trucs généraux là, qu'on utilise. Puis après ça, c'est ça, c'est du cas par cas. Là. On devient dans le détail, évidemment. Là, on peut changer, augmenter la couleur des yeux d'un enfant en train de faire, qui est dans une belle lumière, puis augmenter un peu l'éclat dans les yeux. T'sais. Évidemment, il y a beaucoup de trucs très, très fins. Qu'on peut aller peaufiner sur l'image. Ouais. Est-ce que du coup, là, on a parlé un petit peu de la peau. Est-ce que la peau, en fait, reste un élément des talons? Oui, en colo, je pense que la peau, c'est notre premier... C'est le truc le plus important. C'est les visages. On est humain. C'est génétique. La première chose qu'on regarde, c'est un visage dans une shot. C'est ça qu'on va regarder. Cela dit, en cinéma, je pense qu'historiquement, on ne représente pas nécessairement les... skin tone, les peaux, comme totalement de façon réaliste. Je pense qu'on diminue, en tout cas, ça c'est moi qui dis ça, là, mais avec quand même pas mal d'exemples pour confirmer tout ça, c'est qu'on joue dans un range, dans une gamme assez pas mal plus réduite que la réalité. On dirait qu'en cinéma, tu sais, on a une personne rousse avec un teint vraiment plus rouge, plus orangé. On va avoir tendance à le ramener dans un espace un peu moins large. Un beau skin tone de cinéma, pour moi, c'est une espèce de skin tone, tu sais, avec une certaine rougeur, mais pas trop. Avec, tu sais, la couleur peau à son meilleur, c'est une couleur particulière qu'on essaie toujours d'aller chercher ou en tout cas rester un peu dans ce coin-là. Tu sais, on pense à des films... genre Once Upon a Time in the West, là, mettons, des trucs comme ça, tu sais. Tu regardes les peaux là-dedans, tu sais, c'est ça, les skin tones, là, tu sais, un peu bronzé, tout ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'aller chercher souvent, dans certains contextes. Évidemment, tout ce qui peut servir le propos, on peut aller là. Tu sais, je regardais dernièrement, c'est le dernier film de P.T. Anderson, ça s'appelle, c'est avec Joaquin Phoenix, tu sais, l'espèce de petite beach house, là, voyons. J'ai un blanc. Inherent Vice. Merci. Là-dedans, les skin tones, ils jouent complètement arc-en-ciel. Ah oui. Tout le monde, ils laissent aller les défauts, si on peut appeler ça des défauts, des peaux rouges, des peaux plus blanches, inégales, puis une espèce de réalisme assumé là-dedans, tu sais, qu'il a décidé de faire, qui, à mon avis, sert le propos.
Fait que je suis loin de dire que, tu sais, on essaie toujours de ramener ça à un élément plastique qui est comme ce niveau-là de skin tone, mais c'est un réflexe qu'on a souvent, puis c'est quelque chose qui est payant, parce que quand t'as 6 personnes dans une shot, puis il y en a un qui est rouge, 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 ben tout le monde va regarder, tu sais, on va comme être attiré vers lui, puis c'est un peu bizarre, tu sais. Fait que généralement, je suis dans un range un petit peu plus, un petit peu moins large. Puis évidemment, la peau, c'est ça, ça devient la chose la plus importante. T'sais, on veut les justement contrôler jusqu'à un certain point, illuminer suffisamment ou rendre plus sombre. Mais c'est vraiment le centre d'attention de la plupart des shots, puis on y va en conséquence. Est-ce que, à quel moment, en fait, je pense surtout au long métrage, mais ou au court métrage d'ailleurs, en cinéma, mais à quel moment, en fait, toi, tu lâches en me disant, mais ça, c'est pas mon travail, ça, c'est le travail des effets visuels. Ouais, ben, au niveau de la. Si on parlait de peau, là, on est capable de faire quand même pas mal de retouches, puis d'aller chercher beaucoup. C'est sûr que quand on tombe dans des trucs. Ben là, en cinéma, généralement, on couvre pas mal tout. On se le cachera pas, là. Et, des fois, c'est carrément dans le contrat de certaines actrices de pas. De, t'sais, des shots un peu trop serrés qui sont pas à l'avantage. Puis on s'entend quand même aussi que généralement, ça peut être un peu plus rude à l'écran. Parce que les caméras sont tellement sharp, sont tellement précises, ça devient comme. Ça l'exacerbe des petits défauts de peau qui sont vraiment pas si pires ou qui sont tout à fait normaux dans la vie. Là. Fait que ça, je pense que cette zone-là, on est capable de la corriger généralement, quand même assez bien. Des maquillages qui auraient été un petit peu mal faits, on est capable de corriger jusqu'à un certain point aussi. C'est quand on tombe plus dans. On peut effacer des petits trucs. Là. Moi, tu me parlais tantôt d'un coloriste qui est beaucoup dans la retouche. Moi, c'est moins. Moi, je suis beaucoup dans les ambiances, les moods, la lumière, tout ça. Moi, ma limite d'effets spéciaux est peut-être être à un niveau moyen dans cette zone-là. Là, fait que tout ce qui est corrigé, on va dire un petit bouton qui a traîné pendant toute la dernière semaine d'un tournage, tu sais, dans chaque shot, il y a un petit bouton, puis on veut l'enlever, ça s'en va aux effets. Corriger, tu sais, des petites cicatrices, des petits trucs comme ça qui voulaient pas qu'ils apparaissent, là. Tu sais, des fois, c'est dans le cas de. Si on fait des annonces de sous-vêtements, c'est genre un peu de cellulite, des trucs comme ça. Je peux en faire un petit peu. On a des outils, tu sais, des OpenFX, tu as des plugins, si tu veux, des outils spécialisés pour faire des corrections de peau. On est capable d'en faire un peu, mais encore là, ça a ses limites. À un moment donné, je l'envoie. Enlever des cernes, des gros cernes, des trucs comme ça. Je suis capable de faire un bout, mais des fois, j'aime mieux passer mon temps sur l'aspect narratif du film, puis tout ce qui appuie le storytelling, puis les ambiances générales dans le film. Mais c'est ça. Donc, on est capable d'en faire un peu. Certaines personnes vont les garder un peu plus longtemps dans leur cours. Moi, je suis dans la moyenne basse. Honnêtement, très assumé. Dans le sens que c'est pas ma spécialité, c'est pas ce que j'aime le plus faire. Puis, j'aime pas beaucoup sacrifier mon temps pour améliorer un film avec les compétences que moi, je pense avoir de peut-être un peu plus... qui sont un peu plus ma spécialité, finalement. Ben oui. Mais on peut faire quand même pas mal de trucs. Et justement, on parlait de temps, en fait. Donc, dans ta filmographie, il y a donc là de la télévision, il y a des longs-métrages, des courts-métrages, des documentaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences de temporalité, en fait, selon les... Oui, ça, c'est tout un dossier, dans le sens que c'est fou la différence là, d'un film à l'autre. Tu sais, il y a des longs-métrages qui... Des fois, ça se résume un peu au nombre de shots, carrément, le nombre de plans. On fait des films qui vont jusqu'à 2500 plans, des films d'1h45 de 2500 plans. J'ai fait des films de 2h qui ont 325 plans. Ça devient très différent. Puis encore là, le film de 325 plans, c'est peut-être des longs plans séquences qui ont besoin de beaucoup de manipulation puis qui sont assez compliqués parce que là, on est toujours en mouvement. Il faut faire beaucoup de keyframes, faire des ajustements graduels, changer l'image... à des moments précis, puis faire sortir nos vignettes, ça devient vraiment un casse-tête technique. Ça peut être super long, comme des fois, ça peut être juste un film très relax, dans une belle lumière naturelle, on aime déjà ce qu'on a, on fait des petits ajustements, puis ça va assez rapidement. Mais généralement, on essaye d'évaluer ça le mieux possible, là. Évidemment, c'est pas évident. Mais ici, là, généralement, on a entre 8 et 12 jours pour un long métrage. On a entre
une journée et trois pour un court-métrage, on va dire de 8 à 20 minutes. Là. On parle tu sais, des courts-métrages, ils sont pas mal dans ce coin-là maintenant. Là. C'est rendu plus rare les gens qui font des courts-métrages de 35 minutes. Là. Fait quoi, c'est ça. De 1 à 3 pour les courts, 8 à 12 pour les longs. En télé, là, ça, c'est. On est devant des deadlines assez. de plus en plus brutaux. Puis, ouais, je te dirais, c'est probablement la série très lourde, là, comme on faisait 19-2 ici là, l'année passée, qui est quand même un show assez lourd, avec des bons gros tournages, un budget quand même correct. Puis là-dessus, on passait deux jours par épisode, d'environ 700 plans. Fait que c'est découpé très serré. Ça, c'est un bon exemple justement d'un show pour lequel on a fait des luttes de tournage. On a parlé avant le tournage, ce qui nous aide vraiment à améliorer la rapidité à la fin. Ça a été tourné avec une lutte qu'on a développée avec le directeur photo. Ça nous donne vraiment une longueur d'avance quand on arrive en post-prod. Puis c'est un show qui a du budget quand même. Fait qu'au final, on a deux jours pour faire 700 plans. Ça se passe quand même bien avec une appro et tout. Dans d'autres cas, des séries web, je vais faire des shows de 325 plans, j'en fais deux par jour. Ouais. Fait que là, ça devient comme 650 plans une journée. Fais le calcul rapidement, là, c'est comme 17 secondes par plan. Fait que ça devient un peu plus comme, tu sais, il faut... C'est super important dans ces cas-là. Moi, c'est un peu étourdissant, ceux-là. Puis dans ce cas-là, c'est super important, justement, d'essayer de se parler en pré-prod. Ça nous aide beaucoup à s'approcher du look final dès le début. Fait que quand on arrive en colo, dans ces cas-là, on fait vraiment plus. On a développé un look un peu peut-être en pré-prod, mais quand on arrive en colo, c'est un petit peu plus du color correct, de la correction de couleur. On ramasse les pots cassés, on améliore où on peut, mais ça se passe très rapidement. C'est assez fréquent. Donc ça, c'est série web, c'est sûr. Là, ça fait deux shows de 325 plans en une journée, c'est énorme. Puis sinon, ben, la moyenne, c'est pas mal un show de 250 à 350 plans en une journée, là. C'est ce qu'on voit pour la télé moyenne. Qu'on fait, parce qu'on s'entend qu'on... Tu sais, on fait pas du magazine, là, tu sais. C'est de la série, c'est toujours de la fiction, des séries documentaires, des trucs comme ça. Mais tu sais, c'est des tournages extérieurs, ça serait considéré comme, moi, ce que j'appelle une série lourde, tu sais, c'est quand ça tombe un petit peu plus de budget. Mais au final, c'est un peu tout de la série lourde, parce que par définition, série lourde égale juste, on tourne en location, c'est pas tournant de quatre murs dans un studio avec un éclairage contrôlé. À partir de ce moment-là, c'est de la série lourde. Fait que, voilà. Ouais. Eh bien, dis donc, il y a des très, très grosses différences. Est-ce que quand il y a comme ça une lutte un petit peu avec un look précis, etc., quand toi, tu récupères, en fait, l'objet avec les images, est-ce que toi, tu repars quand même malgré tout de zéro? Ou est-ce que tu coupes quand... Enfin, aussi, parce que par manque de temps aussi, hein, je veux dire, est-ce que tu pars de la lutte et que tu améliores? Ouais, mais en fait... Je vais partir de la lutte, à moins que vraiment on décide de quelque chose d'extérieur là, qui se produise. Mais je vais partir de la lutte, par contre, je ne vais pas la fusionner dans l'image. Je vais l'utiliser en plein centre de mon grade, de ma colorisation, pour être capable de travailler. C'est parce que veux pas, quand on ajoute du contraste, quand on modifie une image, ça devient tranquillement destructif. On manipule le fichier, puis on perd de la qualité, si on veut, là, mettons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la lutte, mais entre guillemets, en metadata, là, dans le sens qu'elle est là, je peux travailler avant, après, puis je manipule mon image source sur laquelle j'ai appliqué la lutte de tournage. Je ne vais jamais fusionner la lutte puis travailler de ça. D'accord. Je me garde toujours l'option d'aller travailler avant la lutte. D'accord. Et quand on fait une série, donc effectivement, là, on voit bien l'importance de la pré-production. Est-ce qu'il y a aussi une différence entre l'épisode 1 ou l'épisode pilote? En fait, sur lequel on ajuste en fait le look et puis après finalement ça roule un petit peu plus vite. Oui, absolument, là, on s'est vraiment souhaité, puis généralement c'est ça qui se passe. Dans une série on a des lieux récurrents où on a développé le look, tranquillement on va être placé, puis si moindrement il y a eu un contrôle en direction photo, on va être capable d'accélérer beaucoup le processus. Fait que souvent de la façon qu'on va fonctionner, on va se donner un petit peu plus de temps au début pour justement bien placer le look, travailler les premiers épisodes, passer au travers de tous les environnements. Fait qu'on va peut-être se laisser déborder un peu, que ce soit moi, dans le fond, tu sais, on traite chaque projet avec amour. Fait que moi, au début, je me dis, bon, regarde, je vais déborder un peu, m'assurer que c'est beau, qu'on est bien placé.
Puis tranquillement, peut-être que les journées vont se raccourcir un peu parce qu'on a déjà des belles bases pour à peu près tous les lieux. Puis tranquillement, là, on travaille de plus en plus vite. On a des raccourcis. Puis ça s'accumule. Puis ça, c'est quand même assez majeur comme changement. Là. On devrait être beaucoup plus rapide à la fin. À moins que ça ait mal été ou que vraiment c'est voyage autour du monde, puis on change de caméra à chaque tournage. Dans ce cas-là, il n'y a pas de... On n'est pas là. Et en ce qui concerne justement la définition du look, que ce soit un court-métrage, un moyen-métrage, un long-métrage ou une série, comment qu'est-ce que tu aimes avoir comme référence, comme moment de communication, comment ça se passe tout ça? Ouais, ben moi on est ouvert à tout. On le mentionne tout le temps au monde, tu sais, de regarder moi, un peu n'importe quelle forme d'art peut faire le boulot. Ça peut être une partie de plein de tout. Fait que ça peut être une référence en peinture, ça peut être une référence de j'aime tel truc dans tel film, tel vidéoclip, j'aime avoir des images, des photographes, le style de ce photographe-là, j'aime cette partie-là. Fait que vraiment tout est bienvenu. Des fois, ça peut même être presque, tu sais, pas contradictoire, mais tu me montres quelque chose, puis c'est vraiment juste pour un élément là-dedans. Fait qu'il faut pas se gêner, tu sais, la discussion est ouverte, puis on peut parler, on peut voir plein de matériel, tu sais, c'est loin d'être faux qu'une image vaut mille mots. Fait qu'il y a des fois de vraiment pointer quelque chose, c'est super constructif. En même temps, il y a du monde que c'est moins ça. J'ai pas de problème à quelqu'un qui arrive, puis qui a absolument aucune référence, puis on discute. Puis on parle de l'image, puis on essaye des trucs. Fait que je prends toutes les références qu'on peut me donner. Si on n'en a pas, on part de zéro, puis c'est correct aussi. Puis une fois qu'on a commencé, j'accorde, surtout dans le cadre du cinéma, un peu juste question de temps, dans le fond, de vraiment prendre le temps de travailler des looks, de pas nécessairement prendre la première chose qu'on va faire, puis dire « Ah oui, ben oui, ça se peut que ça soit beau, mais... » Laissons-le de côté, on continue, on travaille d'autres looks pour les prochaines scènes, on regarde un peu l'ensemble, on essaye d'autres choses. T'sais, ah oui, c'est beau, mais tu sais, quand même, essayons-en d'autres. On regarde, on fait un autre look, on en promène quelques-uns, puis des fois, c'est juste une révélation. Ah, je trouvais c'est vraiment beau, j'aime ça. Puis hop, on essaye quelque chose d'autre, puis je pense que ça l'apporte vraiment plus au propos, ça vient appuyer la narration, tout ça. Puis on aime plus ça, ou puis carrément la chose d'avant nous paraît moins bonne. Fait que tu sais, c'est juste, en bref, de vraiment essayer plein de trucs, prendre du recul de ces looks-là, les revérifier, en choisir un, puis là partir. D'accord. Avant de faire comme le plan à plan. Prendre le temps vraiment de magasiner en masse. Est-ce que tu as des exemples, justement, si je reviens à la question des références visuelles, ou pour un film, ou peut-être récent, dans les projets récents, ou en science, il y a une bonne mémoire, comme ça, où il y avait par exemple un artiste, un film, quelque chose qui permettait vraiment d'être un fil conducteur? Oui, ben en fait, il y en a beaucoup. Il y a des clichés qui reviennent. Genre, il y a beaucoup de monde qui nous revenait pendant un bout de temps avec Fight Club, comme un look à ramener dans les sous-sols, cette espèce d'ambiance-là, un peu verdâtre, néon... C'est une référence qui revient souvent, mais c'est drôle parce que c'est quand même une référence forte. Fait que souvent, ça va être des films un peu plus poussés, justement. Tu sais, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Tu sais, des films comme ça qui ont des looks vraiment marqués, tu sais, Delicatessen, des trucs comme ça, c'est des références qui vont revenir. Fait que là, des fois, les gens vont arriver avec cette référence-là puis vont en prendre une partie. Tu sais, comme ça. J'ai vraiment aimé ça. On prépare un look qui est semblable, là. On n'est pas des, on copie pas, mais c'est vraiment une influence, puis on fait quelque chose comme ça. Puis les gens arrivent, puis hop, on diminue, on revient un petit peu, puis on crée notre nuance là-dedans. Là. Mm. On vient amener notre grain de sel vraiment, puis on le modifie en partant de quelque chose d'un petit peu plus proche de la référence. Puis souvent c'est ça, donc avec des films un peu plus stylisés pour après ça diminuer. T'sais. C'est souvent ça qui arrive. J'ai souvent des références de photographes. Là, j'ai oublié son nom. C'est Journée des Blancs. Tu sais, moi, je suis en congé de paternité. Je manque de sommeil un peu. Mais c'est le photographe et cinéaste qui a fait We the Living. C'est un Europe de l'Est. Là, j'ai oublié c'était où. C'est quoi son nom déjà? C'est le fun, je me rappelle. Attends.
sais, non, mais même, je peux-tu, en deux secondes, oui, oui. Attends, oui, juste oui. Pour voir. Tu couperas le tape. Allez, checker vite. Ok, tu m'as envoyé ça. Il est du genre à me faire ses communications dans Facebook, lui. C'est une autre affaire. C'est super beau ce qu'il fait en fait. C'est des trucs vraiment, c'est de l'hyper réalisme en fait. Super dru. Là. Bon, c'est pas ça. You'd us the living. Yeah. Il y a un gars qui joue du trombone dans une pièce. C'est plein d'histoires en parallèle. En tout cas, de toute façon, je vais mentionner quelque chose d'autre, c'est pas plus grave. Non, c'est ça, t'étais notre référence jusqu'à date. C'est notre encyclopédie. C'est super bon le film, en fait. Mais c'est ça, c'était vraiment comme un humour scandinave. Là. Assez sec, là, ouais. Puis, c'est un gars qui. J'ai tellement trouvé ça drôle. C'est un gars qui joue du trombone, qui joue dans un orchestre, mais on le voit pratiquer chez eux tout le temps. Puis, c'est, fait que c'est vraiment juste une pratique, juste comme. Burr, burr, burr. Tu sais, quand tu pratiques le trombone, c'est un peu moins flamboyant que, mettons, guitare électrique. En tout cas. Donc, oui, pour les références. Donc, c'est ça. Souvent des choses assez prononcées. Les gens vont arriver avec ça, puis ils vont diminuer un peu. Sinon, c'est beaucoup les. J'ai rien de concret, là. Et plein de cinéastes. On m'arrive avec Stanley Kubrick. Je veux dire, ça fuse. Les gens, justement, vont puiser dans plein d'œuvres. Puis ils vont dire, bon, ben, j'aime tel truc dans tel film. J'aime tel truc dans tel autre film. Puis on commence à parler à partir de ça. Sinon, évidemment, que des tendances aussi, des trucs plus récents qui viennent de sortir, un petit taste un peu nouveau. De dire, ah, j'ai vu telle vidéo clip, puis là, tu vois, une espèce de petite esthétique qui fait un peu changement. Fait que souvent des trucs un peu plus à la mode, si on veut. Un peu tristement, dans certains contextes, des références Instagram nous viennent un peu. Sinon, c'est juste l'idée du vieux film, là. Tu sais, ça va être, tu sais, les films plus un look Kodachrome, Technicolor, des trucs comme ça. Comme inspiration, tu sais, je veux quelque chose avec des couleurs un peu plaquées, des roses éclatants. Fait que, tu sais, c'est vraiment hyper large, en fait, tout ce que les gens nous amènent. Ça, c'est dans le genre cinéma, puis sinon, ben, c'est ça, comme je disais, peinture, ça peut arriver aussi, là, tu sais, j'ai vu du monde qui sont arrivés avec des références de Van Gogh, là, t'es comme, OK, mais ça se peut, tu sais, ça l'amène toujours quelque chose, parce que c'est des gammes de couleurs, des peintures à l'huile avec certaines couleurs un peu à plat, des trucs pastels, tout ça. Fait que c'est tout le temps constructif. Oui, par exemple, j'avais pensé poser des questions justement pour ces questions-là sur la ligne variation numéro 2. Un film de danse. Oui, ouais. Où effectivement, on a ce côté un petit peu, ce look un peu film, vintage. Oui, c'est celui sur la plage, ça, ouais, effectivement. Oui. Ah, ben ça, définitivement, oui, on est allé pour quelque chose de très filmé, qui a un petit grain d'appliquer là-dessus. Une espèce d'image un peu, un petit jaune dans les blancs, comme les vieux films, peut-être plus des années 70. C'est une référence. Ça, évidemment, que c'est des sources de pour se retrouver dans un film. Il y a certaines teintes de films qui nous amènent là très rapidement.
Fait que, tu sais, si c'est un film des années 50, fin 50, quand la couleur a commencé à être vraiment présente, on a des teintes très, très significatives, là, caractéristiques de ces époques-là qui nous amènent tout de suite là. Fait que, tu sais, pour moi, la teinte 70s, c'est vraiment la petite teinte un peu jaunâtre, mais contrôlée, tu sais. C'est facile de tomber dans quelque chose de plaqué, un peu jaune. Puis, dans ce cas-là, c'était vraiment ça la recherche, c'était d'aller chercher quelque chose de pas trop saturé, un peu de jaune, puis des couleurs un petit peu à plat. Mais on n'est pas tombé dans le Technicolor ou rien de ça, là. Mais ouais, on voulait être dans les années 70 assez rapidement, tu sais. Avoir quelque chose d'un peu vintage, là, si on veut. Ouais, ça fait longtemps, ça, quand même, que j'ai fait ce film-là, ouais. Variation numéro 2. Et oui, alors, en parlant de jaune, ben, c'est pas du tout le même univers, mais par exemple, jaune automne, hein, par exemple. Je me suis demandé, parce qu'il y a plusieurs jaunes, en fait, dans le film. Il y a les feuilles, il y a le petit, enfin, l'habit jaune fluo, en fait, de la dame qui fait traverser, etc. Et je me suis demandé, sur toutes ces variations, ces palettes de jaune, en fait, comment vous aviez travaillé? Ouais. Ben, tu sais, le jaune, c'est une couleur qui inspire un certain calme, généralement. Fait que ça, c'était quelque chose qui pouvait venir appuyer une partie du film. Puis sinon, c'était de garder les nuances, en fait, puis de conserver une palette de jaune, tu sais, assez variée, mais en même temps qui est quand même assez souple, là, puis cohérente, là, tu sais, puis assez douce. Fait que ouais, c'était touché un petit peu. Je te dirais même que dans ce film-là, ça n'a pas été tourné tout à fait en automne. Fait qu'il y avait quand même pas mal de vert plus éclatant qu'on a carrément été quillé puis qu'on a ramené vers quelque chose de plus orangé, de plus jaune. Puis ça, c'est quelque chose qui arrive aussi assez souvent, là. Ça nous ramène à quelque chose d'un peu plus technique, mais des fois, les différences de saison, on est capable d'aller les corriger par le biais de la verdure, tu sais. C'est souvent ça, ramener l'automne. Puis c'est quelque chose qui... C'est un peu cliché de dire ça, mais ça fonctionne, tu sais. L'automne est un peu plus associé à la mort en général. Puis c'est quelque chose qu'on, des fois, qui vient quand même appuyer le propos. Fait qu'on joue avec ces données-là quand même assez souvent. Accentuer un peu ces éléments-là dans certaines situations, dans certains films, pour donner justement cette ambiance-là qui est plus lugubre. Peut-être le mot peut-être un peu fort, mais plus lié à la mort, on va dire. Et il y a aussi, enfin, dans ta filmographie, il y a aussi des choses, par exemple, comme Little Deputy. Oui. Où il y a effectivement, là pour le coup, des choix en fait, de couleurs qui sont très forts, enfin, très visibles, très présents en fait. Oui, c'est ça lui, c'est Trevor Anderson. Il voulait faire quelque chose où il joue avec le médium quand même beaucoup. Il y a toutes les parties plus look VHS, là, vraiment les vieilles images d'archives. Fait que là-dessus, on a voulu y aller avec un vidéo bas de gamme, là, qui est vraiment une découpe de couleurs avec assez peu de nuances, où c'est des bleus plaqués, même un petit décalage dans certaines images, là, on voit que c'est mal enligné un petit peu, mais pour donner vraiment ce feeling-là, et pour couper avec une espèce de look Far West vraiment plus haute qualité, avec un look un peu vintage, encore là un petit peu plus d'époque, puis une saturation assez forte. Fait que c'était de découper les époques avec les médias, puis un peu tout le côté abstrait du film. Là. Mais c'était le fun à travailler ça aussi. Hein. C'était plus récemment. Je pense que ça s'est promené pas mal, ce film-là aussi. Oui. Après, je me suis demandé, parce que j'ai trouvé que dans les documentaires aussi, les images étaient parfois très travaillées, et que je trouvais finalement qu'il y avait vraiment des recherches de look, un petit peu comme on trouvait dans les films de fiction. Et je me suis demandé, en fait, si... documentaire, fiction, on part dans la même... on peut s'autoriser les mêmes choses, comment ça se passe, enfin... Je pense qu'on gère ça quand même assez différemment. Y a plusieurs sortes de documentaires. Je pense que dans certains cas, c'est beaucoup l'approche. T'sais, nous, on est, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est comme le truc le plus important en colorisation, on est vraiment la continuité du travail de la direction photo. T'sais, je parlais de contrôle et tout tantôt, mais... On s'entend que, juste pour rectifier un peu là-dessus, tu sais, premièrement, on est la continuité du travail du directeur photo et de la réalisation. Puis nous, on est, pour moi, tu sais, un bon coloriste, c'est quelqu'un qui se moule un peu à la vision de ces deux personnes-là, puis qui continue le travail. Fait que moi, j'essaie jamais d'imposer quoi que ce soit, puis c'est vraiment toujours de bien s'adapter à ce que les gens cherchent à aller chercher. Puis là, on parlait de documentaire. Ouais, c'est ça. Donc, en documentaire, c'est ça, il y a plusieurs sortes de docu. Tu sais, il y a des trucs un peu plus
on appelle ça, tu sais, point and shoot, un peu comme, tu sais, dans l'action, qu'est-ce qui se passe, de l'entrevue, du contenu. Puis je pense que des fois, dans certains cas, pour des documentaires où le contenu est vraiment, vraiment prioritaire, puis qui est assez, comment je pourrais dire ça, tu sais, il n'y a pas toujours place à aller modifier beaucoup l'image. Des fois, ça peut juste venir un peu court-circuiter vraiment ce qu'on essaie de faire avec le documentaire. Le look prend le dessus puis devient plus dérangeant que d'autres choses. Fait qu'on veut rester juste très normal, standard, puis corriger justement les espèces d'éclats qu'il peut y avoir dans l'image, tu sais. J'ai des trucs qui brûlent, qui sont juste à la limite. Mais tu sais, ça devient juste d'essayer de calmer l'image puis centrer sur l'information, sur ce qu'on essaie de passer. Dans certains autres cas, il y a des documentaires qui sont plus de mood. Tu sais, je pense, mettons, c'est pas, dans les films que j'ai faits, ça fait un petit peu que j'ai pas fait un documentaire, au moins 6 mois. Mais on va dire dans les documentaires que peut-être vous connaissez, c'est quoi, Hero World of Sushi, là, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est vraiment un documentaire de mood. Évidemment, c'est de la bouffe, un peu du food porn. Là. C'est comme un classique là, d'aller filmer ça. Sauf que sinon, même en général, tu sais, c'est vraiment bien comprendre l'environnement de travail de la personne. On rentre vraiment dans la bulle de quelqu'un. Fait que ça, pour moi, c'est un documentaire où le look a été prononcé puis ça l'apporte beaucoup au film. Fait qu'il y en a des cas comme ça où vraiment... j'avais fait un film qui s'appelle Last Woman Standing. C'est un film de boxe avec une fille d'Ontario, une fille du Québec qui sont allées assez loin en boxe olympique. Puis on est aussi dans leur bulle pas mal. Puis on va les avoir en entraînement, tout ça. Puis là, je pense qu'on peut pousser le look un peu puis rentrer vraiment dans ce mood-là. Puis il y a place à ça. C'est un désir chez les réalisateurs qui est... C'est à peu près moitié-moitié. Il y a beaucoup de monde qui disent n'intervenons pas trop. On agit de façon à corriger l'image. Parce que tu sais, des fois, ça devient une image plus réaliste une fois corrigée. Tu sais, ça va être... Puis pas juste techniquement, mais c'est juste de ramener ça dans quelque chose de plus intelligible, de plus simple, de plus digeste, quelque chose comme ça. Dans d'autres cas, on veut vraiment juste accentuer l'impression de certaines impressions, certains feelings, certaines ambiances. Donc généralement, tu sais, on approche premièrement avec cette question-là. Est-ce qu'on veut aller vers un look ou est-ce qu'on veut rester vraiment plus réaliste? Puis, tu sais, garder... Mais le terme réalisme n'est pas le bon terme, là. Si on veut rester vraiment plus proche de l'image tournée, on va dire. D'accord. Tandis qu'en cinéma, en fiction, je pense que premièrement, on commence toujours d'une image assez, assez flat, tu sais, de quelque chose, un fichier un peu plus technique. C'est certain qu'on a au moins un petit bout de chemin à faire, ne serait-ce que pour aller exactement vers l'image tournée, tu sais, ou le désir du réalisateur de base. Puis après ça, on l'amène un petit peu plus loin, puis on est toujours un peu en direction d'un look, tu sais. Ouais. Ouais. Et pour un film, par exemple, comme Elle fait des étoiles, par exemple, mm-hmm. Est-ce qu'on a poussé un peu quand même? On a poussé un petit peu le look, même quand même, ouais. Ouais, quand même. En fait, ça, c'est Hugo Latulippe. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était vraiment en faire un conte. Essayer d'avoir un peu ces couleurs-là, un peu plus saturées, des verts riches, des rouges assez, assez riches aussi. Ça a été tourné quand même avec des caméras de qualité assez moyenne. C'est tourné en P2, là, l'ancêtre de ce petit-là. Là. Puis c'est ça, fait qu'on partait de quelque chose qui était un petit peu sec, là, qui manquait un peu de couleurs. Puis de, c'est ça, on a vraiment poussé la note pour aller chercher beaucoup de couleurs. On a essayé. Je pense qu'il faut jamais exagérer, j'aime ça rester dans les nuances, puis jamais tomber dans des trucs trop. Quand c'est trop. Là. C'est sûr, dans le passé, j'en ai fait, dans le début de. Là, je pense que je m'améliore à chaque année. Des fois, on poussait un peu trop dans certaines directions. Je pense que c'est important qu'un look, il faut qu'il soit vécu, mais pas perçu précisément. T'sais. Comme, ah, ce look est agréable. T'sais, c'est juste, faut le vivre, mais faut pas le noter. C'est drôle, ça fait longtemps que j'ai pas vu Elle fait des étoiles, mais je pense que c'était assez joli. Puis c'est ça, c'est vraiment dans la zone des couleurs, essayer de ramener ça vers le compte, puis pousser, c'est en Suisse, t'as de la belle verdure, la petite est souvent habillée en rouge. Fait qu'on a vraiment poussé ça pour apporter l'espèce de, c'est ça, la fable, le conte, là, quelque chose de riche comme ça. C'est pas un beau film, ça, d'ailleurs. Ouais. Mm-hmm. Et il y a une autre chose aussi qui est possible maintenant avec l'étalonnage, du coup, numérique,
c'est le fait de désaturer et en même temps de faire vibrer un peu plus une couleur intérieure. Mmh. Alors j'avais deux idées là-dessus, enfin il y en a plein dans votre filmographie, mais j'avais pensé à The Saver, où on a justement parfois des couleurs, par exemple la capuche orange, le t-shirt bleu électrique. Ouais. Et puis il y avait aussi un autre film, Stray. Stray, ouais. Ouais, de Mackenzie, où on a le petit blouson rouge, en fait, la petite fillette, etc., qui se détache. Et en fait, je me demandais dans quelle mesure c'était aussi quelque chose de voulu, dans quelle mesure ça peut être aussi une demande, en fait, genre, tu baisses tout et ça, c'est un élément. Ben, encore là, autant qu'on est la continuité de la réalisation puis de la direction photo, on est aussi la continuité de la direction artistique. Mm. C'est un élément super important. Je pense que dans le cas de Stray, c'est pas nécessairement moi qui l'avais, on en était conscient, mais je pense que c'est un choix qui a été fait. Moi, je vois ça comme, tu sais, la petite fille en rouge qui se promène dans une espèce d'environnement de goudron puis de bitume, tu sais. Fait que c'était déjà là. Si on l'a accentué, peut-être naturellement, mais tu sais, on va dire, j'ai pas comme isolé le manteau, augmenté la saturation, mais c'est clairement dans l'esthétique qu'on essayait d'accomplir, qui avait déjà été fort bien entamé en tournage par la direction artistique. Fait que oui, mais ouais. C'est clairement un élément qui est super le fun là-dedans. L'autre film, c'était quoi? The Saver. Oui, non, The Saver, en fait. The Saver, ben, oui, elle porte toujours un peu le même... elle a toujours son petit capuchon, fait que c'est un élément qui est là, qui suit. Sinon, ce qu'on a fait dans ce film-là, c'est on essayait de ramener, de conserver toujours un espèce de... Il y en avait beaucoup dans la DA, là, une espèce de côté brun, cuir, un peu animal, là, qu'on conservait dans les décors, dans le background. Tout ça, on a essayé d'accentuer ça un peu, puis de conserver cette couleur-là, puis qu'elle soit pas, si on veut, upstagée par certaines autres couleurs dans l'image. Fait que c'est arrivé qu'on a conservé notre joli brun, mais qu'on a été coupé des couleurs primaires qui étaient peut-être un peu distrayantes dans l'image. Ouais. Puis certains éléments de vêtements, elle, on a toujours essayé de la garder un petit peu plus, un petit peu plus flamboyante quand même. Là, fait que quand j'avais des bonnes couleurs dans ses vêtements, on les gardait assez électriques, un petit peu plus peaky, là, qui était un petit peu plus coloré. Ouais. Aller avec le personnage, finalement, c'est beaucoup ça aussi. Là. Un personnage assez... c'est ça, qui est d'action, ma foi. Ouais. Et alors, selon les états d'honneur, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des modes de fonctionnement assez différents. Certains aimaient bien, par exemple, commencer tout seul, enfin, évidemment avec les premières directions, mais... et puis proposer, en fait, et puis ensuite on réajuste. Certains n'aiment pas du tout travailler en linéaire, enfin, progressivement. D'autres, au contraire, ne peuvent travailler que comme ça. Comment ça se passe pour vous? C'est drôle ça, je vois que c'est assez différent d'un coloriste à l'autre quand même. Moi, ça a beaucoup évolué en fait au fil des années, mais au point où j'en suis là, mon scénario idéal, c'est d'avoir quelques heures pour... On va se parler d'un court-métrage, mettons. J'aime ça avoir quelques heures, une, deux heures, juste pour prendre connaissance du matériel autrement qu'en écoutant le film là, dans la machine. Essayer un petit peu des looks là-dessus, voir ce que moi, ce qui me vient naturellement, ce que j'ai le goût de faire, là, ce qui me paraît intéressant. Donc, avoir quelques looks à proposer dès le début, mais assez rapidement dans le processus. Souvent, ce temps-là, j'essaye même de le prendre en dehors du temps de colo. J'essaye, tu sais, de voir un petit peu avant. Puis après ça, j'aime ça avoir DOP et réalisateur. Bon, après ces deux heures-là, on va dire, mais dès le début... Une fois que j'ai préparé ça, j'aime ça avoir le DOP et le réalisateur pour regarder ces looks-là, puis là, vraiment travailler ensemble à essayer des looks différents. Puis une fois qu'on a seté quelques scènes, là, tout dépendant de la longueur du projet, tu sais, souvent on travaille en bobine encore à cause du son. Ils continuent de travailler en bobine, fait qu'on va avoir comme 5 bobines pour un long métrage. Bon, je trouve un nouveau métrage. On va avoir 5 bobines. J'aime ça faire un petit survol, peut-être, tu sais, parlez-moi un peu de c'est quoi les problèmes, quel genre de trucs. Des trucs, des issues, des problèmes que vous vous demandez si vous pouvez régler, puis peut-être vos éléments à vous, puis se promener un petit peu dans le film. Sinon, vraiment, je montre les looks que j'ai faits, on les retravaille ensemble, on trouve des trucs qu'on aime bien, puis quand on est assez décidé sur au moins 5, 6 scènes, là, puis plusieurs ambiances, là, j'aime ça vraiment passer du temps tout seul, pour faire la continuité de ces scènes-là. Puis
puis travailler à partir du look qu'on a établi. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une shot large. Je parle un peu vite. Hein. Il va falloir me sous-titrer. c'est ça. Des fois, je vais prendre une shot large, une shot plus serrée de un ou deux personnages. On les travaille, on les aime. Après ça, je passe du temps seul. Je fais la continuité de ça. Puis là, les gens reviennent. J'ai vraiment une belle scène qui est là à 90-95% pour moi. Puis là, on peut la regarder. Entre autres parce que ça travaille bien. T'sais. Moi, je rentre dans ma bulle, puis ça va bien. Personne commente en même temps. Fait que moi, j'auto-commente déjà pas mal. Fait que c'est ça, je suis capable de travailler puis vraiment rentrer dans ma bulle. Cela dit, je suis capable de travailler avec du monde. Il y a des gens qui vont rester tout le long du processus, qui vont rester du matin au soir, tous les jours, peut-être sur leur téléphone, dans leur laptop, mais ils sont là. T'sais. Mais c'est le fun des sols pour justement rentrer dans sa bulle. Puis aussi, je pense que c'est agréable pour les réals puis les DOP de ne pas avoir à vivre, entre guillemets, le traumatisme des changements. Oui. Tu sais, parce qu'on est là, on modifie l'image. Puis là, tu sais, il y a toute l'histoire de persistance où on vient de voir une image très flat. Oups, là, tout d'un coup, c'est contrasté. C'est-tu trop contrasté? Il y a du monde qui deal bien avec ça, d'autres un peu moins. De voir les changements en action, pour vrai, ça peut être des fois assez difficile. Fait que de ne pas avoir à vivre ça, t'arrives, t'as déjà quelque chose, c'est ça que je te propose, est-ce que t'aimes ça? Plutôt qu'avoir de avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, puis là c'est comme un peu overwhelming si on veut. Fait que c'est un peu pour protéger de ça, puis aller chercher le maximum de la réalisation finalement, sans les traumatismes, puis pour que moi je sois capable de performer le plus possible. Ouais. Est-ce que du coup, enfin, tu travailles avec le son? Est-ce que Non, une fois que j'ai écouté le film, c'est sûr que je travaille sans son pour une grande partie du processus. Puis il y a des gens qui ont, des fois, on veut carrément pas réécouter le son, juste vraiment se concentrer sur l'image parce que le son, c'est quand même, ça rajoute une couche de pardon. Tu sais, on rentre dans le film, on est plus là. Si on veut vraiment être le plus critique possible avec l'image, on l'écoute sans son, c'est vraiment une bonne façon. Maintenant, des fois, c'est le fun d'avoir une petite douceur à la fin, puis juste pouvoir écouter son film avec du son. Quand la colo est complètement finie, on est confiant, on aime ça, on l'écoute au complet avec du son. C'est juste, on écoute son film au complet. Ça dépend des contextes, mais pendant le processus, jamais. J'enlève toujours d'accord. Le son. Le son, ça n'arrive jamais, par exemple, qu'on fasse une... On étalonne, etc. Et ensuite, on écoute avec le son et que le son... Oui, il peut y avoir des questions. Il peut y avoir des questions précises à ce niveau-là. On va dire sur des changements, des fois, on se dit « Ah, mais là, c'est important qu'on comprenne qu'on a changé d'environnement. » Tu sais, on était là, puis tu sais, des fois, les raccords de sens ou de... Tu sais, on va avoir... on se comprend. Ça va changer vraiment d'un lieu à l'autre, carrément d'une époque à l'autre, des trucs assez gros. Puis là, on les pousse en colo. On est conscient de ces choses-là. Fait que ça, je le mentionne aussi au monde. T'sais, y a-tu des moments, tu sais, on me dit, ah, c'est important qu'on voit la différence. Fait que là, je pousse la note un peu plus. On remet le son, puis on se dit, OK, on n'a peut-être pas besoin de tant que ça. T'sais, le son fait une grosse partie du travail. Parce que des fois, ça peut être bien de ponctuer des changements d'époque, des changements de lieu avec l'image, mais c'est facile de déborder. Puis souvent, le son va assez gracieusement. Ponctuer ces moments-là. Mm. Fait que, c'est ça. Fait que des fois, on peut aller un peu trop loin en tenant pas compte du son. Puis à l'inverse, on peut dire, on aurait peut-être besoin d'un peu plus. Fait que, il y a certains moments précis, mais pas sur des éléments généraux de l'image. Là, en tout cas, c'est plus ou moins. Là, c'est vraiment plus sur des trucs précis. Parce que je pense que sinon, les deux vont ensemble. Si on a une ambiance, c'est sûr, si j'allais... On connaît le film, on l'a vu, tu sais. Fait que j'ai pas besoin du son pour me rappeler qu'une scène est plus mélancolique ou plus dramatique, plus agressive ou douce ou tout ça. Fait que souvent, on est dans la même ligne que la musique. On fait juste converger vers la même chose. Il y a certaines musiques qui, parfois, sont rajoutées après, non? Oui, mais ça, c'est ça. Il y a toujours un échange avec la... On n'a pas toujours le son final, même assez rarement. Souvent, on a des musiques temporaires qui vont être dans la même... dans la même optique, là, dans la même direction. Mais c'est ça, souvent les réals vont nous le mentionner. Ah, là, j'ai quelque chose justement pour des transitions. T'sais. Pour l'instant, il n'y a rien, mais on va avoir quelque chose au son. J'ai déjà une bonne idée de ce que je veux faire. Puis on d'accord. en est conscient comme ça. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Généralement aussi, ce que ça va faire, c'est que des trucs un petit peu plus tough, qu'on travaille longtemps, le son vient juste nous aider.
Tu sais, puis il vient rajouter une couche de, dans le même sens, exactement. Et est-ce qu'il y a des projets dont tu es particulièrement fier, soit dans la subtilité du travail, soit dans l'originalité, selon toi, en fait, de la colorisation? Ah, ben, j'aime mes enfants tous également. Dernièrement, j'ai fait plusieurs films, en fait, qui sont encore en production, qui sont, je pense, en post-production, dis-je, des trucs assez bien. Tout dernièrement, j'ai fait un film qui s'appelle Entre la mer et l'Écosse, si vous avez l'occasion. C'est un court-métrage, je suis super content de ce qu'on a fait. On était vraiment salé l'image, on a donné de la personnalité. C'est un look que je suis particulièrement fier. Je trouve que ça suit vraiment bien le propos. Il y a, c'est ça, une personnalité, une unicité à ce film-là. Tu sais, ça, j'étais vraiment content. Dernièrement, j'ai fait un film avec... j'étais assez content aussi avec Roy Dupuis. Ça s'appelle « Ceci n'est pas un polar ». Puis j'ai bien aimé le traitement qu'on a été porté là-dedans aussi. C'en est un beau, mais honnêtement, tu sais... On les fait un par un, puis à chaque fin de projet, je suis jamais complètement heureux, puis quand je les revois un peu plus tard, souvent c'est positif, tu sais, c'est ça, fait que de là, je voudrais pas trop nommer des trucs précis que j'aime plus, mais on a des beaux moments, en fait. Si je peux amener quelque chose de plus large avec ça, je pense que, tu sais, ça fait juste 7 ans que je fais ça, quand même pas 30 ans, puis ce que je vois en ce moment, qui est hyper payant, puis qui fait que les projets sont de plus en plus intéressants, c'est justement les plus longues collaborations. Des gens avec qui je travaille depuis 5, 6, 8, 10 projets, on se comprend bien, on se parle en pré-prod, je comprends bien leur vision, ils savent comment la communiquer, comment être précis, comment discuter. Puis je trouve qu'avec ces gens-là, avec lesquels j'ai collaboré depuis longtemps, on arrive plus loin. On arrive à faire des choses plus intéressantes, plus uniques. Puis c'est vraiment un gros, gros élément en ce moment. Puis j'en ai beaucoup. Après 5 ans dans une boîte, j'ai beaucoup de gens qui sont récurrents, qui reviennent beaucoup. Puis c'est vraiment, vraiment... on atteint une espèce une espèce de niveau supérieur avec ça. C'est vraiment agréable. Et c'est valable à la fois pour les réalisateurs ou c'est encore plus vrai quand il s'agit de chef op, de directeur photo? Ben ça... Si différents sont-ils d'un à l'autre? J'ai des réals qui sont, je dirais pas désintéressés, mais qui sont un peu plus loin de l'image puis qui donnent absolument tout au directeur photo. Qui disent « Occupe-toi de ça, de cette partie-là. » C'est moins... Moi, on a une esthétique duquel on a discuté en début de projet. J'aime ce que tu as fait. Maintenant, amène-le plus loin. Le réalisateur disparaît presque complètement puis je suis seulement avec le directeur photo. Dans d'autres cas, tu as des réalisateurs qui sont beaucoup plus des manipulateurs de caméra, puis qui sont des gens beaucoup plus à l'esthétique, qui vont carrément dire ben merci au DOP, tu as fait un bon travail dans la direction que je voulais, je vais maintenant continuer le travail avec le réalisateur. Ça serait le coloriste. Ça serait les deux extrêmes vraiment. Puis entre les deux, j'ai aussi des gens qui sont toujours ensemble, qui continuent de discuter, ils font juste m'ajouter à la discussion. Fait que la gamme est assez large quand même de façon. Fait que des récurrences de réalisateurs, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de DOP qui me suivent. T'sais, j'ai des réalisateurs qui arrivent avec des nouveaux DOP. Puis j'ai des DOP qui arrivent avec des nouveaux réalisateurs. Puis tout ça est assez mixé ensemble. Et peut-être, parce que du coup, après, comme on doit voir aussi Charles, une dernière question, c'est plus en fait sur la question de la reconnaissance en fait, du métier de coloriste. Et de sa place au générique, et puis de la reconnaissance de manière générale, en fait, est-ce que... Oui. Ah, j'ai définitivement un avis là-dessus. En fait, je pense que c'est un métier qui graduellement est reconnu un peu plus pour ce que c'est. Je pense qu'il y a beaucoup de... La place dans le générique, pour moi, je pense que Charles ne dirait pas la même chose, mais on n'a peut-être pas besoin d'être dans le générique d'ouverture. Mais la reconnaissance, je pense que le genre de collaboration qu'on a avec nos directeurs photos, tout ça,
Je pense qu'on est vraiment dans l'ombre. On est très peu mentionné. Pour certaines productions, on est une étape nécessaire, un autre bill à payer. Mais il y a une implication. C'est justement, ça nous ramène un peu aux terminologies pour faire une parfaite boucle. Tu sais, quand on nous appelle, on dit que c'est de la correction de couleur. Moi, la correction de couleur, c'est 15 % de mon travail. Là. C'est ce que je fais un peu plus machinalement quand le reste est fait. Fait que je pense qu'on peut amener beaucoup au film. Il y a une partie de l'industrie qui reconnaît notre travail beaucoup. Puis il y en a d'autres qui, comme je disais, c'est plus comme une étape nécessaire, obligatoire. Dans les faits, c'est ça, il existe des galas en marge des galas principaux. Je pense que ça pourrait être un petit peu plus présent dans les jobs les plus en avant. C'est ça. Je pense qu'on n'est pas énormément reconnu. On pourrait être un petit peu plus reconnu. En même temps, travailler dans l'ombre, c'est correct. C'est bon pour l'ego. Ça garde tranquille. Mais autant, c'est ça, je me perds un peu dans mes trucs, mais dans le sens que je veux pas non plus me plaindre, entre guillemets. Là. Mais je pense que le travail de coloriste, c'est plus un travail de color timer, de color correct, puis il faut le prendre comme tel. Les DOP qui. Puis c'est bizarrement. Les DOP qui reconnaissent le plus ça, c'est souvent, ben c'est pas bizarre, mais les plus talentueux, qui nous amènent des images absolument somptueuses, reconnaissent plus notre travail souvent que du monde qui arrive ici avec des trucs un peu maganés, pour utiliser une expression bien québécoise, ce qui veut dire un peu mal exposé, détruite un peu, qu'on récupère vraiment beaucoup. Là. On a quelque chose de vraiment comme moyen, puis ça sort d'ici, puis c'est très beau. Mais souvent, tu sais, ces gens-là vont prendre plus de crédit. Tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que, je pense que ça va changer. Puis, je pense que de plus en plus, les gens reconnaissent l'importance de ça. Puis au final, de toute façon, ce qui est le plus important, c'est que les gens soient conscients des possibilités qu'il y a là, puis qu'ils utilisent à fond. Tu sais. Puis de plus en plus, c'est ça. Les gens ont hâte d'arriver en colo, les gens ont hâte de travailler les images qu'ils ont faites puis de les améliorer. Puis je pense que la reconnaissance va suivre. Puis dans les faits, donc soit de l'amour longtemps. Mais c'est clairement un issue. Je suis certain que tout le monde à qui tu as parlé ont dit peut-être que la reconnaissance n'était pas tout à fait au niveau du travail, de ce qu'on apporte au film. Je pense qu'on est là, dans le métier de coloriste. Mais voilà, on verra ce qu'il y en est. Bon, bah, très bien. Eh ben, merci infiniment. Ça fait plaisir.